Bonjour à toutes et à tous, amis cyclistes de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super. Aujourd'hui, c'est un jour, les gars, exceptionnel. Le genre de jour qu'on aime bien, tout simplement, car il y a la sortie du dernier brawler mythique, notre petit Doug, les gars. Il arrive très prochainement, parce que, regardez-moi ça, on a le petit décompte, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, et du coup, il est maintenant disponible ou pas. Alors, on va juste vérifier quand même qu'il n'y ait pas un bug, parce que si on commence à tout ouvrir et qu'on ne le voit pas, ça va être le fiasco. Le Cordelus, je n'ai pas débloqué car on est sur mon gros compte, les gars. Je joue sur le compte de l'été en général, mais là j'ai tellement de récompenses qu'on va aller. Voilà, voilà les gars, débloquer un nouveau brawler mythique. Ils ont compris que j'étais un pigeon, c'était fait pour moi. Et du coup, on va s'empresser de le débloquer, les copains. Juste avant, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus. Alors, ils veulent nous vendre du 9 à 23,99€. C'est pas donné, les gars, honnêtement. Ouais, ouais, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus, les gars, si vous voulez qu'on débloque le Doug sur le compte de l'été. Bien évidemment, le code Gaël activé, les gars. Je sais pas chez vous ce que ça donne, mais ici, c'est bien évidemment le code Gaël qu'on rentre. 23,99€, c'est vrai que ça fait une somme, les copains. Après, pour ceux qui ont des jetons comme moi, des crédits plutôt, n'hésitez vraiment pas à aller récupérer tout ça, car regardez-moi ça, les gars, on a énormément de récompenses. Et quand je dis énormément de récompenses, je fais référence à la saison dernière où c'était vraiment rentable de farmer les, entre guillemets, grosses boîtes. Hein, rappelez-vous ça, c'était simplement à la fin. Car à la saison dernière, on récupérait 25 crédits par boîte. Enfin, par boîte, ouais, voilà, on va appeler ça comme ça. Et là, maintenant, on en récupère plus que 5, les gars. Donc, c'est la grosse PLS. Donc là, on va cliquer en version rapide, les copains. J'ai le doigt qui fume. En tout cas, qui va débloquer Doug? Dites-moi en commentaire. Alors, je sais que c'est pas évident. C'est un mythique. Clairement, les gars, on n'est pas en train de débloquer un brawler que tout le monde va avoir. J'en suis conscient. En tout cas, nous, on a double tâche. On va le débloquer. Et derrière, on va simplement aller le maxer. Je vous dis, c'est un truc qui est sûr, c'est qu'on va le débloquer parce que de toute façon, j'ai des gemmes. Donc là, on a quoi? On a 500. On va se débloquer en version rapide, les copains. J'espère en tout cas qu'on fera un record de pouces bleus sous cette vidéo pour peut-être un double pack opening de Doug. Ça fait quand même un peu cher pour le compte de l'été, les gars. On avait dit qu'on j'aimais pas beaucoup, mais en même temps, on est là pour se faire plaisir. Il reste encore un mois de série. On est le 1er août, les gars. On est pile poil à la moitié de la série de l'été. Donc, dites-moi en commentaire si on craque. Gros craquage ou pas. En tout cas, j'ouvre tout ça. Je pense qu'on va faire un 1400. Je pense que ouais, ça va être assez facile en fin de compte de débloquer. Alors, c'est vrai que je m'excuse un peu. Hein, c'est pas hyper spectaculaire, du coup, les vidéos où tu débloques un nouveau brawler maintenant que t'as qu'à cliquer sur des récompenses. C'était quand même mieux le côté aléatoire des boîtes. Hein, on est tous d'accord là-dessus, les gars. À chaque fois que je fais une vidéo pack opening où on débloque un nouveau brawler, vous me dites toute la même chose. Et franchement, je fais partie des gens qui pensent la même chose que vous, hein, bien évidemment. On pouvait débloquer une légendaire ou un truc éclaté à l'époque. On aimait bien ce côté un petit peu aléatoire, les gars. Et oui, on a du mal à s'y faire quand même, hein, ces récompenses comme ça. En tout cas, on a à quoi là? Là, on a à quoi? On a 1575. Ok, mon petit, 1600 même. Donc, il me manque 300, sachant que le pass de cette saison, je ne l'ai pas tellement farmé. Mais quand même, les gars, pas d'enflammade. On est quand même. On fait le minimum syndical, bien évidemment. En tout cas, j'espère qu'on fera au moins 1500 pouces bleus pour la vidéo où on débloque tout simplement le petit. Alors, en vérité, les gars, je peux déjà le débloquer pour la bonne et simple raison que. Alors, normalement, les copains, normalement, je peux récupérer des crédits chromatiques. J'en ai 279. Là, je pense que ça m'envoie sur la gloire. Tu penses ça ou ça m'envoie sur le brawler? Ah ouais, d'accord, ça m'envoie sur la gloire, le truc inutile, quoi. Autant pour moi. Autant pour moi, les gars, on continue à ouvrir les crédits. 1760. On est pas mal. Et là, normalement, ce sera bon. Et là, on peut se faire notre plus beau screen, car le petit Doug, il est là. Voilà, ça fait plaisir. C'est parti. On va se tester ensemble, les copains. On va se tester ensemble, voir un petit peu l'ampleur des dégâts. Est-ce que le brawler est à la hauteur de ce à quoi on s'attend? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer pour le débloquer sur le second compte? Ou est-ce qu'on va s'abstenir, les copains? On va avoir la réponse très prochainement. Donc là, pour le maxer, c'est une simple formalité. On est blindé en gold. Là, on n'est pas sur le compte de l'été où on réfléchit à ce qu'on fait, les gars. Et Ewan, on jouera avec plus tard. Là, du coup, il est déjà P11. Pour ce qui est des gadgets, alors là on se demande lequel acheter. Non, sur ce compte là on se demande pas, les gars. On achète, on réfléchit après. En tout cas, on se les lira quand même après, ça peut servir. Pour les Star Power, bien évidemment que si tu hésites, tu achètes les deux, hein. Voilà, il faut pas hésiter très très longtemps. On va par contre se prendre pour l'instant le bouclier. En général, c'est un petit peu la valeur sûre. Et moi, j'aime bien la vitesse, voilà. On est quand même sur une map Famine ou Festin en ce moment, les gars. C'est important de checker la map. Et je vous le dis, les gars, je le sens bien. Alors, snack d'attaque guéri, hein, ok. Et pour le deuxième? Alors, ceux qui ressuscitent, c'est très bien, mais plus en 3v3. Et la prochaine fois que Doug utilise snack d'attaque, il peut uniquement soigner les alliés.
Ouais, il peut. Ok, bon, on va tester plutôt celui-là, les copains. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un petit skin à acheter? Est-ce qu'il n'y a pas une coquinerie à faire ou pas? Alors, ils sont en train de me dire, est-ce que tu veux dépenser 29 gemmes? Ben oui, bien sûr que je veux les dépenser, les gars. Avec grand plaisir. Est-ce que c'est possible de cliquer dessus? Merci. Merci le jeu, 29 gemmes. Alors, est-ce que c'est des gemmes utilisées intelligemment? Je suis pas certain non plus, hein. Mais bon, autant se faire plaisir jusqu'au bout. Il est là. On va partir en game, les copains. J'espère que vous êtes chauds. Et comme je l'ai dit, à 1500 pouces bleus, on se le prend sur le compte de l'été. Même si c'est déraisonnable, les gars, on se fait plaisir. Parce que c'est comme ça, les gars. Il faut se faire plaisir sur Brawl Stars, ça sert à ça. Et j'ai l'impression que le premier mois d'été est passé super vite. En vrai, on a fait quasiment 30 épisodes sur le compte de l'été. Alors, c'est vrai que ça fait penser à une Jackie, j'avais un petit peu oublié. Mais ça fait penser à une Jackie. Il y a un boule, on va quand même le respecter un petit peu. Tac, 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 voilà. Nous le respectons. On récupère les caisses, tac. Ok, lui il va mourir normalement dans quelques secondes. On est à quoi là? On est à 7 caisses, on est plutôt pas mal. Alors ça va être du bourrinage les gars, quand t'as un brawler pouvoir 11, full gadget, full star power, face à des mecs au début, voire face à des bots sur tes premières games, c'est évident que là, même si des fois, avec cette confiance, on va se faire soulever, c'est un peu la spécialité de la maison les gars, mais en général ça va quand même le faire. Donc là, on est pas mal, on a 8 caisses, on a plus de 10 000 PV. Est-ce que les autres brawlers pourraient... Est-ce qu'ils peuvent rentrer au mid de façon violente, les gars? Est-ce que c'est possible qu'ils perdent pas de temps? J'apprécierais. On active à peu près tout. Tac, lui, il va mourir, il va filer 2 caisses en plus. On va régénérer un petit peu ou pas. Tac. Ok, tranquille, simple formalité. Bon, c'est du bourrinage, les gars. Après, ce qui est rigolo, c'est que vous avez le meilleur brawler sur la meilleure map. Hein. Ça reprend un peu les tirs de Jackie, les gars. Et rappelez-vous que Jackie, sur cette map, c'est très très OP. Hein. En dessous de 700, 700, 700, 750, parce qu'au-dessus, tu as full Shelly. Mais Jackie, sur cette map, à la base, en duo, t'en as un qui prend toutes les caisses du mid, l'autre qui reste safe sur les côtés. Vous connaissez les bails, c'est très très fort. Donc là, vu que ça reprend un petit peu cette façon de jouer, j'avoue que j'aime bien. Oh là, est-ce qu'on va mourir, les gars? Est-ce qu'on va mourir les gars? 436 PV pour Tonton! Tonton qui aurait dû mourir! Ah attends, tu sais quoi? De toute façon, on aurait dû rusher le mid les gars. Ouh là 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 là, le RT, le RT, le RT qui me met full balle! Ça va que... Il tire en arrière, heureusement que j'avance, parce que sinon, je me serais fait des pops. On n'est pas trop mal, on a 3 caisses, on en a 2 caisses de plus à droite, on va aller les chercher quand même avant de prendre le fight final les copains. Je préfère récupérer mes points de santé, pardon, je m'étouffe. Alors, 9700 et quelques, est-ce que c'est le moment d'aller rush le mid ou pas? Est-ce que c'est le moment d'aller rush le mid, les gars? Est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux? Ok, double kill pour la fin. C'est vraiment très très fort, les gars. C'est vraiment très 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 fort. Vraiment, les gars, c'est une dinguerie. J'ai envie d'aller sur le compte de l'été, mais 24 balles. Est-ce que ça vaut 24 balles, ce brawler? Est-ce que vous jugez, sachant que l'inconvénient du compte de l'été, les gars, c'est que je vais pouvoir le mettre P7. Hein. Je l'aurais pas du tout P11 comme ça, où on kiffe, on peut rentrer dedans dans tout le monde. On va n'importe où, peu importe, ça passe, les gars. Le compte de l'été, ça ne se passera pas franchement de la même façon. Donc, faut faire un petit peu gaffe quand même, hein, les gars. Ouais, la Shelly corps à corps, tu vois, à plus haut trophée, elle m'aurait explosé. Je me serais pris un double ulti, je serais mort, mais c'est aussi cool de jouer sur des petits comptes ou de jouer contre des bots au début. Là, l'Anita, est-ce qu'elle veut mourir? Est-ce qu'elle veut mourir, l'Anita? Elle a l'air de vouloir mourir. Est-ce qu'elle lâche en ours ou pas? La réponse est oui. C'est un peu dommage, du coup. C'est un peu dommage parce que du coup je vais perdre 100 ans à aller push l'ours. Ok. Ok, on a 8 caisses. Ce sera la dernière game de la vidéo, les gars. J'ai tellement hâte de lire vos retours en commentaire et de lire si vous me dites tonton crack sur le compte de l'été. Ah, je suis capable de vous sortir la fameuse deuxième vidéo dans la journée, les gars. Je suis capable. Je suis capable. Bon, quoi qu'on peut attendre demain matin non plus, mais ça va me faire en tout cas dépenser plus de sous que prévu, les gars. Alors attends, eux ils ont l'air quand même de vouloir mourir, on va les aider. Tac, on est à quoi? 9 caisses. Le boule. Boule à la base, très dangereux. Adversaire très dangereux. Quand c'est un bot, tu peux te permettre de lui rentrer dedans comme ça. Quand c'est pas un bot, quand même respectez-le un peu parce qu'il te met un petit 3 shots des familles et t'es mort. Hein. On active un gadget, on active absolument tout ce qu'on a les copains. On a un super. On est pas mal. Est-ce que juste la victime du jour peut voilà, se montrer, qu'on perde pas trop de temps non plus, s'il te plaît. Voilà, tac, tac, tac. Ok. Simple formalité, on fait un plus 30 en l'espace de 2 minutes avec le nouveau brawler. C'est plutôt pas mal en même temps, c'est normal, hein, les gars. P11, début de game, les prix stars. En général, les prix stars ne font pas des cadeaux de ouf non plus. Mais en tout cas, les copains, j'espère vraiment
que ça vous aura fait plaisir comme vidéo, parce que bah, tout simplement, on débloque le nouveau brawler en 2-2, là, comme ça, en l'espace de 10 minutes, on l'a débloqué, maxé, on lui a acheté le skin, on lui a vraiment fait le forfait full. Moi, je vous fais des gros bisous à tous, et merci beaucoup du soutien avec le code Gaël, la famille, le petit pouce bleu sous la vidéo, bien évidemment, si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, et ceux qui kiffent la série de l'été, vous avez une playlist où il y a tous les épisodes, au cas où vous en auriez loupé un ou deux. Gros bisous à tous, rendez-vous demain ou dans la journée, si pétage de câble, à très bientôt, ciao.